Aslema, aujourd'hui c'est la présentation des pinceaux pour le teint de la gamme Essentielle. Donc nous allons commencer par le pinceau pour le teint qui est un pinceau plat. Il va vous permettre d'appliquer votre fond de teint. Donc vous allez le faire hakaya min dakhil lil barra. Vous ne ferez pas de mouvements circulaires, mais par contre vous ferez des mouvements de va-et-vient ou haka tatlaou tahbtou chwaya pour votre fond de teint liquide. Ensuite, le pinceau poudre, qui est un gros pinceau, bien fluffy, chine ou kbir, donc il va vous permettre d'appliquer la poudre de teint tirek ou la poudre libre, vous tapotez sur votre peau toute la poudre. Ensuite, vous avez le pinceau pour la poudre bronzante. Donc c'est un pinceau chine chouaya. Il est biseauté, il est en forme biseautée, il est plat chouaya, donc le bronzer mtaak ou elle a le contouring. Voilà, il est très précis, mahouch kbir, mahouch srir, il est parfait pour la poudre bronzante. Donc ensuite et après la poudre bronzante, bish testamel le pinceau pour le blush. Donc c'est un pinceau mahouch kbir bacha. Parfait pour la zone des pommettes, qadam qadqad mahouch kbir. Il va vous permettre bech testamlou le blush mtaakom. Vous avez aussi le pinceau pour l'anticerne, qui est un pinceau très précis pour appliquer votre anticerne ou elle à votre correcteur là où vous avez des imperfections, des rougeurs. Il est petit de taille, donc parfait pour les petites imperfections. Ensuite, vous avez le pinceau éventail. Donc c'est un pinceau qui peut vous permettre d'appliquer le highlighter ou là pour certaines personnes qui préfèrent nettoyer les chutes le fard à paupières ou l'application des fards sur les yeux, elles préfèrent nettoyer les chutes avec ce pinceau. Donc c'est un pinceau utilisable haka ou haka. Donc pour terminer la présentation des pinceaux pour le teint, pour le visage de la gamme Essentielle, nous vous présentons le pinceau à lèvres. Donc c'est un pinceau plat, un tout petit peu pointu, qui va vous permettre d'appliquer votre rouge à lèvres avec beaucoup plus de précision et sans dépasser les bords. Voilà pour la présentation des pinceaux pour le teint, pour le visage de la gamme Essentielle. Je vous dis à bientôt.